résultats de mon stage qui porte sur l'articulation des coopérations locales avec les politiques publiques agricoles. Et comme Florian l'a dit en introduction, a été encadré par Anne Soudry et Florian. Donc, je vais d'abord revenir un peu sur les objectifs du stage. Donc, il était d'une part d'identifier les différentes modalités de coopération entre les agriculteurs présents sur le territoire, qu'il s'agisse de coopération formelle ou informelle, et les cartographier. Et d'autre part, d'analyser l'articulation de ces modalités de coopération avec les politiques publiques agricoles, afin de comprendre comment les dispositifs actuels peuvent mieux prendre en compte et soutenir ces initiatives collectives. Donc, ma question principale de recherche est la suivante. Comment les formes de coopération entre agriculteurs s'articulent-elles avec la recherche d'autonomie? Et de manière plus subsidiaire, on a pu se demander quels sont les freins et les leviers à l'émergence de ces modalités de coopération du point de vue des agriculteurs et d'autres acteurs du monde agricole. Je vais revenir sur le contexte et de définition. On observe à l'heure actuelle un nombre croissant d'outils mis en œuvre par des politiques publiques favorables au développement de pratiques agricoles qui s'appuient sur les démarches collectives entre agriculteurs, donc notamment les dispositifs GIEZ, mouvements d'intérêt économique et environnementaux, introduits en 2015 par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Donc, si elle a été introduite au niveau des politiques publiques agricoles, la notion de coopération est un terme dont les agriculteurs ont des fois un petit peu de mal à se saisir et qui leur paraît à certains moments un peu formel. Donc, ils lui préfèrent souvent celui d'entraide, mais tous deux ne sont pas forcément. D'où l'enjeu de définir ce qu'elle recoupe du point de vue de la littérature et de celui des acteurs du terrain. Donc, un collectif peut, de manière assez simple, être défini comme un groupe d'agriculteurs animé par un intérêt commun. Donc, ces derniers vont alors engager de multiples formes d'échanges d'entraide et de solidarité entre eux. Les formes de coopération englobent des réalités très diverses qui peuvent porter sur du pré ou de l'achat de matériel en CUMA, des dispositifs de commande groupée, du TROG, des coûts de main et autres échanges de bons procédés, ou encore du partage de connaissances. Donc, Véronique Lucas l'a résumé dans ses termes, j'ai mis la citation sur la diapositive, la coopération de proximité. Vous avez toutes les pratiques formelles et informelles de coopération entre agriculteurs à l'échelle locale. Donc, notre approche de la coopération ne se cantonne pas à des structures ou coopératives bien formalisées pour intéresser à des formes d'entraide un peu plus discrètes. De même, elle intègre aussi des modalités d'échange économique un peu spécifiques qui peuvent être marchandes, comme c'est le cas de l'achat de fourrage entre agriculteurs. Je voulais vous penser cette articulation entre autonomie et coopération, comme vous proposez dans le cadre du projet COSERA. Je voulais d'abord revenir sur quelques éléments, sur quelques éclairages bibliographiques. Donc, l'autonomie est souvent présentée comme une valeur largement partagée dans le monde agricole. Cette notion d'autonomie, elle peut porter sur deux aspects qui vont s'associer entre eux, donc la volonté de mettre à distance des dépendances, ainsi que celle de mieux maîtriser ses conditions d'activité dans un contexte qui apparaît plus marqué par l'incertitude, notamment économique et climatique. Donc, il y a dans cette première définition que nous propose Véronique Lucas, l'idée d'améliorer l'utilisation des ressources internes à l'exploitation tout en réduisant les recours à des intrants externes. Donc, l'autonomie peut ainsi se définir sur des éléments matériels de la production, mais elle peut également porter sur d'autres volets, notamment les dimensions socio-économiques qu'Agathe a pu évoquer, renvoyant par exemple à une autonomie de savoir et de compétences qui vont permettre à l'agriculteur d'être décisionnaire dans l'orientation donnée à la trajectoire de son exploitation, ou encore une autonomie financière vis-à-vis des acteurs de l'industrie agroalimentaire. Donc, si l'idée d'autonomie est régulièrement mise en opposition avec celle de dépendance, certains auteurs s'accordent à nuancer un petit peu ce constat pour penser son articulation avec le collectif. On voit qu'il y a des liens qui existent entre les notions de coopération et d'autonomie. Elles ont notamment été mises en exergue par Van der Poel, qui les identifie parmi les six mécanismes à travers lesquels les agriculteurs tentent de gagner en autonomie. Donc, vous avez la liste sur la diapo. Nous proposons donc pour appréhender cette idée d'autonomie dans sa dimension collective, de reprendre le cadre conceptuel de Stock qui oppose l'idée d'autonomie néolibérale à celle
régie par des valeurs individualistes, à celle d'autonomie réelle, qui est, elle, davantage centrée sur le collectif. Donc, dans une conception néolibérale de l'idée d'autonomie, cette dernière va se confondre avec l'idée d'indépendance et être associée à des principes individualistes qui vont limiter l'implication des agriculteurs dans l'action collective. Et ce qui va avoir pour effet un petit peu paradoxal de renforcer leur dépendance vis-à-vis d'autres acteurs en amont et en aval de la filière productive. D'où l'importance de préciser de quel type d'autonomie on parle, en questionnant cette articulation des concepts d'autonomie et de coopération dans un contexte donné. Celui-ci va nous permettre à la fois de définir une chaîne d'action, l'autonomie pouvant être pensée individuellement, collectivement, au niveau du groupe d'agriculteurs, voire même à l'échelle territoriale, ainsi que les objectifs poursuivis par les acteurs derrière cette quête d'autonomie. Donc, concernant le cadre méthodologique, il s'appuie sur la réalisation d'entretiens semi-directifs. Donc, c'est un format d'entretien assez souple qui se rapproche davantage de la discussion et qui est d'enquêter. Parmi les principaux thèmes qui ont pu être abordés en entretien, figure la trajectoire de l'exploitation, donc sa description, les évolutions qu'elle a pu connaître et les modalités de mise en œuvre de ces évolutions, ainsi que la participation à différents dispositifs de coopération, donc de quel type de coopération on parle, la fréquence des échanges, son échelle et les avantages, les inconvénients que les agriculteurs y attachent. Donc, pendant le mois de terrain, j'ai pu réaliser 20 entretiens, donc principalement avec des agriculteurs et des agricultrices du Nord Fromage, pour lesquels on a essayé un peu de diversifier les profils, tant en termes de localisation géographique, comme vous pouvez voir sur la carte à droite, en termes de type de production et de pratique. D'autres acteurs du monde agricole ont également pu être rencontrés, donc deux conseillers agricoles, la Chambre et un autre du département, un animateur de la Fédération des CUMA et une animatrice d'une association de soutien à l'agriculture de groupe. Donc, suivant une approche inspirée de l'ethnographie, l'identification des agriculteurs rencontrés a procédé par buissonnement. Au fil des entretiens, les agriculteurs m'ont maintenant vers leur terre. Donc, je vais à présent passer à la présentation des résultats. Donc, la première partie des résultats porte sur la dynamique locale de la coopération. Que j'ai pu mettre en relation peut-être avec la mutation du secteur agricole à l'échelle nationale. Les éléments de terrain ont démontré que les différentes modalités de coopération, qui a différentes modalités de coopération qui peuvent être observées sur le territoire du Nord commun. Donc, elles regroupent à la fois des formes d'entraide anciennes, centrées autour de travaux agricoles, et des formes de coopération un peu plus récentes, qui sont davantage tournées vers l'innovation des pratiques. Donc, les différentes formes de coopération identifiées sont synthétisées sur le schéma qui permet de situer leur caractère plus ou moins formel et plus ou moins immatériel. Et la taille de chaque indique leur récurrence dans les entretiens. Donc, ces formes de coopération plurielles qui portent à la fois sur des éléments matériels et immatériels de la production ont fait l'objet de recompositions sous l'effet de la mutation du secteur agricole d'une part, donc la diminution d'exploitants, et sous l'effet de l'évolution du cadre réglementaire d'autre part, notamment avec le verdissement de la PAC. Donc, ces différentes formes de coopération peuvent être mobilisées par plusieurs types de réseaux de coopération. Je vais figurer sur la carte à côté. Donc, on voit trois grands types de réseaux de coopération. Donc, le premier étant les réseaux d'entraide qu'on peut qualifier de traditionnels, qui sont généralement à base familiale ou qui s'appuient sur des relations de compérage qui s'inscrivent généralement dans le temps long. L'emprise géographique de ce type de réseau est plus ou moins étendue suivant les sociabilités qu'ont pu développer les agriculteurs au cours de leur parcours, mais elle est généralement plus restreinte que les deux autres types de réseaux. Donc, on a également le réseau alternatif, au sein duquel on retrouve de nombreux agriculteurs néo-ruraux. Ces réseaux regroupent généralement de petites structures orientées vers de la vente directe ou des productions assez spécifiques, comme le maraîchage, et dont la spécialité permet à ces réseaux de s'étendre un peu plus dans l'espace. Et enfin, on a des réseaux de coopération adossés à des groupes formels, comme les GIE2E, donc c'est ceux en bleu, qui couvrent généralement un territoire assez étendu, mettant en relation des agriculteurs qui ne se connaissent pas forcément auparavant. Donc, ces relations de coopération relèvent à la fois de relations d'entraide pour certaines hérités et construites pour d'autres, permettant à des agriculteurs qui ne sont pas originaires du territoire d'intégrer ces réseaux de coopération. Donc, différents facteurs jouent dans la structuration de ces réseaux, à la fois les relations de parenté, de compérage et aussi d'amitié.
Plus largement, les enquêtés ont pu identifier pendant les entretiens plusieurs facteurs influant la dynamique locale de l'entraide. Donc, parmi les facteurs impactant négativement les coopérations entre agriculteurs figure la diminution du nombre d'exploitants que nous avons évoqué, à laquelle n'échappe pas leur commerce, ou encore le nombre croissant d'exploitations basées sur des formes sociétaires. En fait, le nombre inégal d'actifs au sein d'une même exploitation amène du déséquilibre dans la relation de réciprocité entre les agriculteurs. À l'inverse, le maintien de l'élevage sur le territoire est cependant perçu comme un facteur favorisant les interactions entre agriculteurs, notamment au travers de leur investissement dans le réseau d'écuments. Signalons toutefois qu'il ne semble pas y avoir de système de production plus enclin à coopérer que l'autre si on considère l'investissement de certains céréaliers dans des réseaux de coopération comme l'écumeur. Ces échanges semblent ainsi davantage conditionnés à la présence d'une certaine mixité entre les exploitations, dont va résulter une complémentarité. Donc les coopérations constituent ainsi des réalités mouvantes. Si plusieurs discours ont relevé un sentiment de perte d'entraide, il semblerait plutôt que cette dernière évolue vers d'autres formes de coopération. J'ai indiqué les principaux caractéristiques sur la positive. Des coopérations qui semblent plus étendues spatialement en raison de la diminution du monde agri et la diversification des modalités de coopération. Également plus choisies, dans la mesure où les agriculteurs ne font plus uniquement par nécessité avec leurs voisins, et impliquant peut-être un nombre plus petit d'adhérents, en opposition avec les groupes un peu traditionnels qui rassemblaient une dizaine d'agriculteurs. Et enfin, moins visible, en raison du développement de coopérations qui sont davantage centrées sur du partage d'expérience. Donc, la seconde partie est intitulée « Faire collectif, penser et construire la coopération à l'aune des concepts d'autonomie ». Donc, l'évolution des coopérations semble à la fois influencée par des facteurs exogènes que je viens d'évoquer, un peu surplombant, mais aussi par des facteurs endogènes à ces réseaux. Donc, ces derniers contribuent à mieux comprendre la lecture ambivalente que font les agriculteurs du collectif, qui est tantôt perçu comme une contrainte et tantôt perçu comme une ressource. Donc, les avantages et inconvénients que les agriculteurs associent aux coopérations vont être motivé par l'implication des avantages et inconvénients associés aux coopérations qui vont motiver l'implication des agriculteurs dans ces réseaux de coopération sont à analyser en regard des objectifs qui président à leur émergence. Donc, ainsi, certains voient dans les réseaux de coopération des espaces d'expérimentation et d'apprentissage, particulièrement pour ce qui est déjà eu de eux, tandis que d'autres voient plus des réseaux de compérage auxquels s'adosser, notamment dans la prise de décision. Donc, si tous gardent une approche plus ou moins pragmatique de la coopération, en ce qu'elle doit contribuer d'une manière plus ou moins directe à la production, cet investissement inégal peut être aussi éclairé par une vision plus ou moins utilitariste du collectif pour les agriculteurs. Donc, pas mal d'agriculteurs que j'ai rencontrés expliquent le manque d'investissement de certains dans les démarches collectives par le temps, l'abordant de temps qu'ils demandent. Et l'impératif de tirer quelque chose des réunions a régulièrement été évoqué. Donc, l'engagement dans le collectif dépend de l'évaluation du coût par rapport aux bénéfices que vont pouvoir en tirer les agriculteurs. Mais on signale également que la recherche de sociabilité constitue une autre motivation non négligeable de l'investissement des agriculteurs dans ces réseaux de coopération, notamment pour ce qui est des agras. Donc, en lien, les enquêtés ont souligné l'importance des relations interpersonnelles et de leur qualité dans le bon fonctionnement du groupe. Et à cet égard, l'usage partagé du matériel en CUMA semble de plus en plus contrainte par la réduction des fenêtres météo, générant parfois des frictions entre adhérents. Donc, ces perceptions ambivalentes du collectif peuvent être également éclairées par les différentes stratégies que vont déployer les agriculteurs face à l'incertitude associée à leur profession. Donc, l'incertitude renvoie aux différents facteurs avec lesquels ils vont devoir composer, donc la volatilité économique des marchés, les aléas environnementaux ou encore le cadre réglementaire. Mais elle peut aussi s'expliquer par l'impératif de proximité, qui constitue un invariant du fonctionnement de ces groupes d'entraide. Donc, ce principe de réciprocité oblige un agriculteur qui va bénéficier de l'aide d'un tiers à lui rendre l'aide apportée.
Donc, ce principe de réciprocité, il tend ainsi à garantir une certaine équité entre les coopérants. Mais si les coopérants vont tendre en fait à une proportionnalité de l'échange, celle-ci s'observe rarement. Donc, la logique de cette réciprocité qui régit les réseaux de coopération est différenciée d'un simple échange symétrique ou marchand, dans la mesure où elle ne suit pas une logique binaire. Donc, on a l'existence d'un don, d'un contre-don qui est en général supérieur au don initial et qui entretient ainsi la relation de réciprocité entre les agriculteurs. Donc, cette lecture non libéraliste de l'échange, elle est claire en fait sur la définition donnée à l'autonomie au début, dans la mesure où elle crée un cadre qui ne permet pas de s'acquitter de sa dette et de solder ses relations de dépendance. Donc, à l'image de l'autonomie réelle, la réciprocité ne s'appuie pas sur la recherche d'indépendance vis-à-vis de ses pairs. C'est vraiment la pérennité de cette relation de réciprocité qui tient à cette dette entretenue par la dynamique de l'échange qui va faire vivre la coopération. Donc, cet impératif de réciprocité rappelle les inévitables relations de dépendance dans lesquelles s'insèrent les agriculteurs. Si on se réfère à la notion d'autonomie réelle, les agriculteurs peuvent ainsi gagner en autonomie, non pas en s'affranchissant de ces relations de dépendance, mais plutôt en les choisissant. Donc, aux relations verticales qui les lient aux coopératives et grands groupes, certains agriculteurs vont ainsi plutôt choisir de dépendre de leurs pairs. Ces relations de dépendance horizontales, elles vont ainsi pouvoir être vécues de manière positive par plusieurs agriculteurs, car elles leur sont plus négociables et désirables. Donc, l'importance de la concertation dans l'acceptation par les agriculteurs de leur dépendance vont ainsi pu être mise en exergue par les autorités. Et je passe du coup à la troisième et dernière partie, qui, elle, porte davantage sur les relations entre l'individu et le collectif et le pouvoir transformatif de ce dernier. Donc, dans l'évolution de leur pratique, le collectif peut représenter une ressource pour de nombreux agriculteurs, pas uniquement sur le plan technique comme nous l'avons vu, mais apportant également un soutien moral face au poids des représentations locales. Donc, plusieurs agriculteurs développant des pratiques nouvelles sur leur ferme se tournent donc vers des réseaux de coopération qui rayonnent sur un territoire un peu plus large. Donc, outre cet appui moral, l'application dans des groupes tels que les GIE2E permet à certains agriculteurs de se forger une connaissance qui est identifiée comme vectrice d'émancipation. Certains réseaux s'entrecoupent dans la mesure où les agriculteurs qui s'organisent en CUMA vont être généralement les mêmes à s'impliquer dans la grève du coin ou à constituer un mouvement d'employeurs. Donc, cette multi-appartenance qui constitue un levier d'innovation pour certains agriculteurs est également décrite comme un facteur favorisant la bonne dynamique d'une coopération. Elle peut également contribuer à créer des ponts en fait entre différents groupes de coopération par l'intermédiaire de ces acteurs qui sont à l'interface de plusieurs groupes. Donc, l'incidence qu'a le collectif sur les pratiques de l'individu peut être étudiée par le biais des réseaux CUMA. Donc, ça vient sur le concept d'agroécologie silencieuse a démontré que les CUMA peuvent constituer des outils transformateurs des pratiques des agriculteurs. En effet, les CUMA n'aident pas généralement leur fonction première de partage du matériel agricole. Et si les agriculteurs développent des pratiques agroécologiques via leur adhésion par la CUMA, ils ne mettent pas tant l'emphase sur les gains environnementaux associés à ces pratiques, mais ils justifient plus leur adoption par la volonté d'améliorer en fait l'autonomie de leur ferme. Donc, ils mettent ainsi l'accent plutôt sur la technique dans les discussions, permettant de la sorte un peu de contourner les sujets qui peuvent être polémiques et conflictuels associés à l'écologisation de leurs pratiques. Donc, de la sorte, c'est pas tant les principes agroécologiques que les agriculteurs rejettent, puisqu'ils en mettent certains en pratique sur leur exploitation, comme la réduction de la boue ou la couverture du sol, même s'ils ne les nomment pas explicitement, mais c'est plutôt les groupes sociaux qui portent habituellement ces revendications environnementales et les critiques qui sont adressées au monde agricole qui les accompagne. Donc, le témoignage de certains enquêtés a également démontré que la grande liberté laissée aux agriculteurs dans la gestion de leur CUMA donne à voir une diversité de fonctionnements qui ne relèvent pas toutes de cette agroécologie silencieuse.
Certains s'inscrivent dans ce que Fouilleux et Boulay ont plutôt qualifié de nouvel esprit du productivisme, sous-tendu par des considérations réglementaires, économiques et sociales auxquelles font face les agriculteurs. Et donc par là, le développement des pratiques agroécologiques par le biais du climat reste conditionné à la volonté des agriculteurs. Par ailleurs, si l'engagement d'agriculteurs dans certains dispositifs comme les GIZ semble en partie motivé par un attrait financier, plusieurs enquêtes s'accordent sur le fait que cette manne financière, elle n'est pas constituée la seule motivation de cette implication dans le collectif, car elle va permettre d'aboutir à des transformations pérennes. Donc, de la sorte, en envisageant les démarches collectives comme autant d'outils façonnés par les agriculteurs, les changements de pratique nécessitent dès lors une certaine propension de leur part à faire évoluer leur modèle. Néanmoins, on peut dire que le collectif demeure un important levier de changement dans les pratiques. Dans les pratiques agricoles pour gagner en autonomie, en ce qu'il apporte appui et conseil aux agriculteurs, comme nous avons pu voir. Donc, les manifestations au début d'année ont montré que la coopération a pu également être appréhendée par les agriculteurs comme une modalité de faire contre-pouvoir, de porter des revendications à plusieurs. Donc, les coopérations permettent ainsi d'inverser certains rapports de force et de porter des revendications à plusieurs. Donc, elles peuvent ainsi permettre de faire contre-pouvoir et de la sorte, les valeurs qui animent les agriculteurs peuvent également être amenées à évoluer par l'expérience du collectif. Donc, celui-ci n'est pas la somme des intérêts de chacun, ni l'annihilation de ces derniers, d'où l'enjeu de faire vivre ces objectifs personnels dans le collectif, mais plutôt l'émergence d'un intérêt commun rendu possible par les interactions au sein du groupe. Et donc, pour conclure, je dirais que loin de disparaître, les coopérations entre agriculteurs, elles ont accompagné véritablement l'évolution du monde agricole. Les résultats de l'enquête montrent qu'elles constituent des facteurs d'innovation permettant aux agriculteurs de gagner en autonomie dans la gestion de leur ferme par l'adoption de pratiques nouvelles. Ainsi, le collectif représente un levier pouvant être mobilisé par les politiques publiques agricoles. Donc, si on a des dispositifs basés sur le collectif déjà existants aujourd'hui, comme les subventions qui sont octroyées à l'achat de matériel en CUMA ou les GIZ, les aides en matière agricole, elles restent bien souvent pensées à l'échelle de l'exploitation et de l'agriculteur. D'où l'enjeu, en fait, de souligner la pertinence de l'approche collective auprès des pouvoirs publics, notamment pour atténuer le poids de certains verrous. Je pense particulièrement aux verrous économiques dans leur propension à s'investir dans ces démarches collectives et à faire évoluer leur modèle. Donc, le collectif pourrait, d'une certaine manière, représenter une sécurité pour les agriculteurs, permettant de bénéficier d'un droit à l'essai, en fait, comme développé dans les espaces tests agricoles que Agathe a un petit peu évoqué en conclusion. Ce qui leur permettra ainsi d'expérimenter de nouvelles pratiques tout en leur gardant aussi un revenu économique. Voilà, merci pour votre attention.